À la clinique de la porte de Choisy. Au centre de l'écran, Ulysse et ses marins. Autour, le sombre et l'éther d'une chambre d'hôpital, commune comme une fosse, à tous ses enfants sous la menace de l'asphyxie, du mélange des sangs. Quand les ventricules communiquent et que le bleu et le rouge deviennent le violet, couleur des lèvres et ongles, manger. Ulysse est beau, et grec, et américain. Médée transforme son équipage en porc. Œil médusé des enfants à ouvrir, certains, déjà recousus, respirent mieux sous les poings. Je n'ai pas 7 ans. Où sont mes parents? Séparés de moi et d'eux-mêmes, ils cherchent leur histoire à tâtons de leur peur. Effroi de l'enfant, fend dans les phares. Et ce corps maintenant, qui se serre lui-même, assis dans le noir à attendre la fin de ce film palpitant, chaque 3 temps. Dans le vide. Me serrant contre moi, me soufflant à l'oreille. Cela n'arrivera pas, Ulysse est trop fort. Mais le film est sans fin, ses corps transformés, ce héros trop musclé, tous ses mâles, effets.